Je voulais juste réussir cette dernière course de la saison, et je pense que nous l'avons fait. C'est une course dingue, vraiment intense, et je suis un peu éreintée. Mais je suis très heureuse d'être ici. Le tour de la Guadeloupe était très compliqué. Pourquoi nous faire ça? Ne réalise-t-il pas que nous venons de traverser l'Atlantique à la voile, tout seul? Je suis complètement crevée. Je suis arrivée en sachant que les gars étaient si près derrière. J'ai fait quelques empannages ce matin pour qu'ils ne me dépassent pas. Et je me suis dit, c'est bien, j'ai fait six bons milles sur eux et c'est bon, je vais y aller. Je vais peut-être tomber dans un trou, ils vont tomber dedans et je vais sortir en premier, tout ira bien. Eh ben non. Romain a navigué autour de moi et puis j'étais vraiment fatiguée. J'étais tellement épuisée quand je suis arrivée à la bouée basse terre que je n'avais plus de chute. J'ai d'ailleurs failli faire tomber une voile dans l'eau. Mais c'est mon meilleur résultat dans la classe IMOCA. Pour un petit bateau à foil, je suis très fière. C'était intense comme course. Il y avait deux moitiés de course bien définies. La première moitié de la course, j'étais en mode conservation. Je n'avais qu'une peur, faire tomber le gréement et endommager le bateau et ne pas finir. Puis, après les Açores, j'ai essayé de faire quelque chose de différent et ça a marché. Mais j'étais embêtée avec ce gros trou dans ma grand voile. Je l'ai rehissé sous le vent de la Guadeloupe, car j'en avais besoin. Mais dès que la brise est arrivée, j'ai pris un ris. Ça veut dire qu'elle a baissé la voile. Car j'ai pensé que je pouvais faire exploser toute la grand voile. Et j'ai déjà arraché l'armure du J2. J2, c'est une autre voile. Je n'ai donc pu utiliser que le J3. Trois femmes dans le top 12. J'ai l'impression de nous avoir déçus, car il y aurait dû y avoir trois femmes dans le top 10, pas le top 12. On n'a qu'à dire que c'était à la tête à l'anglais. Mais c'est vraiment super cool. Les femmes sont toujours sous-représentées dans ce sport. Mais notre catégorie est l'une des plus difficiles de la course. Et nous avons une participation de 25% des femmes. Et 3 sont dans le top 12. Et dans le top 10 jusqu'à il y a environ 2 heures. Enfin bref, c'était vraiment une super course. Cinquième roue du rhum et cinquième roue du rhum fini. C'est vrai que je finis toujours mes courses. Hein. Je sais pas, la statistique est pas trop mal normalement. La plus dure, c'était il y a 4 ans. Là, ça a été dur, mais ça n'a pas été, ça a été. C'est toujours dur de toute façon. Elle est un peu atypique. Je trouve qu'elle est atypique. Il faut trouver chaque jour le positif en fait. Faut pas s'appesantir sur les trucs qui sont déjà morts. Il faut essayer de trouver de la ressource pour essayer de trouver. Puis la vie, c'est ça, hein. Essayer de trouver des petits trucs. Pour se motiver, pour repartir. Et puis c'est ça, je crois. C'est ça que j'aime aussi, c'est les amis. C'est ça qu'il faut voir, c'est la vie, c'est ça aussi. Hein. On fait un sport, bien sûr, il y a la compétition, bien sûr, on veut du résultat, mais il faut aussi profiter de la vie, de la chance que j'ai de naviguer sur un bateau comme ça. Très franchement, j'ai une énorme chance. Je remercie mon sponsor GCA de me permettre de naviguer sur un bateau comme ça. Bravo à moi j'y suis pas pour grand chose, c'est bravo à Clarisse qui a fait ça toute seule comme une championne. Bah, c'était déroutant, j'étais en plein live WhatsApp avec ma belle-mère qui me racontait. Et en même temps j'étais en train de faire des routages parce que c'était le moment où il fallait décider où je passais dans la dorsale. Et je sais plus où donner de la tête. Donc non c'est génial, j'ai très hâte d'aller la rencontrer, d'aller voir Clarisse et voilà. Et c'est quelque chose de particulier, j'espère que pour le deuxième je serai là. Non, je suis très très fatigué parce que là j'ai fait 12-18 heures sans safran et donc ça a été un peu galère et puis je sais pas qui a eu cette idée à la con de mettre une bouée sous le vent de l'île. Et franchement c'était horrible mais en même temps on a fait du tourisme, c'était sympa, mais non là je suis très fatigué, je suis hyper content de retrouver mon équipe, de vous retrouver vous tous là, ça fait plaisir, c'était assez rapide finalement, 13 jours. Merci beaucoup. Non mais on vit des trucs quand même en mer, c'est magique ce sport, il est incroyable quoi. Parce que je connais pas, j'ai pas tout fait, voilà, il y a plein de choses à voir, mais je connais pas de choses qui vient te chercher aussi loin quoi. Ouais. Tu passes du rire aux larmes,
des joies de, des pleurs de joie aussi quoi. Il y a des moments c'était incroyable quoi. Tu traces des surfs à 19 nœuds sous speed, t'es seul au monde. T'as l'impression que le monde peut s'arrêter de tourner et voilà, et toi t'es là et t'es bien quoi. Quand tu te reposes, tu dors pas vraiment, t'écoutes les bruits du bateau en permanence. J'ai pas fait un seul départ au tard. Mais les grains, tu les sens arriver, mais les grains, un grain en 30 nœuds sous spi en Imoca, c'était quelque chose quoi. Vraiment, ça me touche beaucoup de t'accueillir. Vraiment, vraiment. Tu es arrivé, ça y est, t'as fait le job. Ouais, ouais, ça retombe là, mais ouais. C'était dur. C'était dur. Ouais, c'était dur. Les derniers instants, quand tu t'es approché de la côte. Bah, il est fou ce tour de Guadeloupe. Ouais. Vous êtes zinzin de nous faire faire ça. C'est ça. Vous avez accepté de le faire et vous avez réussi. Non, ça fait 14 jours qu'on est en mer et on nous fait faire un truc de malade quoi. Tu avais déjà navigué dans les eaux ou pas? Non, ah bah non. J'ai découvert Denis, non mais ça passait de 0 nœuds à 20 nœuds. Tout le temps sans arrêt. Le plus dur c'est quoi, le passage de la bouée de basse terre? Ouais. Bon. Ouais, toute la descente quoi, tu t'arrêtes, tu repars. Ouais. À chaque fois que tu crois que c'est la dernière. Mais bon. Ça y est. Là. C'est fou hein. Je retrouve un peu mes esprits là, je crois que je suis vraiment épuisé. Parce que c'était sans relâche. Enfin, bah, c'était un super entraînement pour le Vendée Globe parce que je crois que j'ai vraiment tout eu quoi. Merci. Good job, franchement. Et ça, donc c'est pour faire comme ça, non? J'imagine. Et il y a encore beaucoup de travail, mais bon, je pense que j'aurais voulu faire mieux, bien évidemment, mais la course, c'est comme ça. La voile, c'est un sport mécanique et il faut accepter des choses. I am wet, you're right. All wet. Ah, il a ramassé, hein. Voilà le plonge de bienvenue. Bah, de prendre le départ, d'autant plus de prendre l'arrivée. J'avais pensé que c'est le passage entre les deux bouées pour les deux semaines de course. C'était ma but d'arriver coude pour coude. Pour marquer les points, pour continuer ma projet, mais surtout de